Et Maxou, c'est parti. C'est parti, Maxou contre Chad, finale du Stuff Fest 2016. 2016. Est-ce que Chad va-t-il garder son titre? On va ça va. Oui, exactement. Allez, Alpha Patron Close de Chad, à gauche, Voldo de Maxou, à droite. Maxou qui est en winner. 0 à 0 entre les deux joueurs, c'est parti. Agression de Chad, il avance pour lui, Maxou qui va taper en bas, un bélier. Il se fait taper en tout cœur alors qu'il s'est avancé. Précise de Maxou, ça passe. Bien il tape au sol, ça passe encore, voilà. Cette fois-ci, ça miffle. Et Maxou encore une fois, bien joué, ça va faire le chat. Chad qui presse. Choc de Maxou à la relève, c'est très dangereux. Là, ça passe, il y a un peu la suite, s'il le fait à gagner. Et c'est voilà, bon. Le premier ah, rouge là, pour Maxou. Avec un petit kick. C'est très agressif de la part de Jean, dans un petit monde. Il ne saurait profiter. Ni à l'autre. Ah, je pense qu'à mon avis, ça va profiter à Chad. Parce qu'il y a du Rungaou qui est des combos assez rapides. C'est vrai, c'est vrai. Maxou, là, ça c'est eux, vous voyez, il lève sa main. Vous voyez Maxou lever sa main, alors qu'il vous est du place. Oh là, mais maîtrise de Maxou. Pour l'instant, c'est son adversaire. Grand maîtrise de Maxou dans ce match. Il est très très bien parti dans sa finale. Il essaie d'embrouiller, il va presser derrière. Il est bloqué. Le match est quand même droit. Le premier est droit. Pression dans le poids de Maxou, il fait des petits dégâts, il essaie de faire une petite lance. Oh, Chad est dopé, il ne peut pas faire grand chose, il pense à la complètement perdu. Ah ouais, Chad, il n'est vraiment pas rentré dans son match. Ah ouais, là, il y a un gros Maxou de la part de Maxou là. Vraiment, vraiment. Gros avantage à Maxou, Chad doit absolument se saisir. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit? À mon avis, je pense pas qu'il va changer de stage, mais. Ah si, si. Voilà, c'est des occasions de se remettre un peu dans le match aussi. Refaire le point, se reconcentrer, gagner du temps. Il en a besoin. Ces phases-là où il ne se passe pas grand-chose, il va falloir se reconcentrer. Parce que Maxou, là, est vraiment, vraiment rentré très, très fort dans cette finale. 1-0 pour Maxou. C'est parti. Là, avec le 1-2 qui passe. Scooter, pressing à suivre. Chop. Il va encore avoir un pressing à suivre. Il a déjà une moitié de part d'avance. Ça y est. Chad est enfin là. Il va pouvoir presser. C'est bien bloqué à chaque fois. Oui, Maxou est dit tout, absolument tout. Le Chad n'a rien qui passe et c'est parfait pour Maxou. Incroyable, Maxou qui domine totalement son adversaire. Il est en train de lui faire un festival dans cette finale. Voilà, ça y est, Chad a trouvé un buteur. Pressing à suivre, Nagisa, 3-3B. Il continue son pressing. Un bébé, c'est bloqué par Maxou. Il continue. Maxou qui trouve le bout à pouvoir presser. Step, le Chad. C'est bien puni et là, il Chad qui prend son premier bout, il entre dans cette finale. C'est bien Chad, là il faut qu'il soit sur le coup. Donc il reste sur ce rythme-là. Oh, Maxou qui trouve un boucheur, il va presser derrière. Il trouve bien le pressing. En haut en bas, il en bout complètement Chad. Il trouve un boucheur. Mais il met rien derrière. Il reste sur le cadre. Chad, au moins il hésite à attaquer la peur. Maxou a réussi à faire peur à Chad. Et il n'avance plus. Oh, bien joué ça. Là il faut mettre un boucheur. Il faut bien éviter le lot. Maxou trouve un boucheur. Ça y est, combo. S'il presse bien, il peut gagner le rang. Il a confondu le dernier pressing. Voilà. Chad, c'est un perso extrêmement puissant. Il faut pas se lever en courant contre Alpha Patron Close. C'est très très difficile. Deux coups d'armes, Chad revient dans le final. Alpha Patron Close n'est pas un perso qui va lever la garde, donc il faut accepter souvent de se prendre des mains. Maxou qui a l'avantage dans ce 4ème round. Mais Chad est bien revenu. C'est difficile, c'est chaud, les deux se prennent les deux sur la gauche. Chop de Maxou, il va presser derrière, ça va se jouer sur ce pressing-là. Maxou, il est de côté, c'est pas mort, qu'est-ce qui se passe? On va, c'est la nation synchronisée. Pour viser les pieds à la fin, chaque fois. Oh, alors, super, on va prendre Maxou. Deux routes à deux entre les deux joueurs. Maxou, qui est peu là, bon, vraiment là, son moment, c'est un chef, je dois vraiment revenir. Il a largement l'avance. Maxou doit trouver quelque chose pour retirer. Ah, ça passe pas! Mais Maxou ne sait plus passer! Incroyable! Ça tire à son combo, ça ne bute pas. Beaucoup de pression. Ah, c'est chaud. Je trouve que le placer d'aller terminer ce match, parce que c'est garanti. Ouais, mais à cette distance, ça marche pas. Ou soit, voilà, je crois qu'il a fait trop mal. En tout cas, Maxou demande le changement d'arène. Il veut un petit monde, il veut des sorties. Et ce monde est pas mal. Parce qu'il commence en étant infini. Les deux premiers rounds seront infinis. Mais à part
intéressant à tout. Donc on va voir, les deux premiers groupes sont très importants pour Jade, on va vraiment miser là-dessus. Et sur les groupes que vous construisez, ça va être avantage à tout, donc il faut être positionné. Jade est très bien rentré dans son match. Oh, et là, super, par contre, il a trouvé un coup, il n'a pas réussi à mettre le chevaux derrière. La distance est trop grande. Ça y est, Maxime trouve un coup. Il avance derrière, précise à suivre. Jade ne se relève pas, il accepte de prendre les dégâts au sol. Et le suspect qui passe. Super, 1 route 0. Jade gagne maintenant, il est mené pour en tout cas sa première. Oh là, il son combo, il rate, c'est raté. Le combo à ce moment-là, il va prendre pressing. Voilà, c'est bloqué. Dans ce genre de match-là, il ne faut pas les rater. Il arrive là, son combo, c'est bon, il revient. Patsou, qui va pouvoir presser. Super, la chose. Il y a un pressing derrière. Oh là, il touche le coup de cœur. Et il met le coup de cœur. La route, la route. Et maintenant, le route, là, c'est son troisième route. Son troisième route, là, le tenir en vert. Donc, encore et Maxime qui doit préciser les rates sur le dernier coup. Ça vise les pieds pour l'instant. Qui prend des dégâts. Il voilà, on prend ça. Voilà, chaque avantage. Les deux joueurs à égalité. Maxime, il s'en fout pas de plus. Par contre, il a un peu. Allez, restez au sol, faut pas. Il a un peu fait idiot. Et il a pris beaucoup de dégâts. Deux coups d'un pour chaque. Mais à partir de maintenant, le monde va s'ouvrir. Et là, vous allez voir, le moindre coup trouvé par Maxime. Ça peut être la sanction directe. Allez, on est quasiment à la sortie. On est deux. Par contre, directement, regardez. Voilà. Du coup, des chats, ça peut être la même chose. Alors là, c'est un match. Exactement.
C'est reparti. C'est reparti, allez. Final. Applaudissements pour les joueurs. On va leur donner du courage. Allez. Mathieu Marchal. Première ligne droite. Un long direct joué par Mathieu. Chef précis. Il a bien bloqué. Chat à l'avantage. Il peut être apprécié si il est bloqué par Mathieu. Il prend son temps. Il prend son recul. Consécutivement, on va voir. On a eu le petit passe là-haut. Le haut.
Il est juste impérial sur cette planche-là. Il est vraiment en super position d'ailleurs. Alors, quand il nous sort des choses, il va falloir vraiment qu'il soit assez pour regarder le tchad. On prend bien sur le sol, on prend bien la minute, on se les regarde. Il faut qu'il arrête de bourrer, Maxou. Il faut qu'il arrête. Voilà, ça c'est bien. Là, il est reste pour le tchad. Là, il est là, voilà. La chance, la paix qui passe là. Et le peuple décisif. Allez, fort, courage à Maxou. Courage à Maxou, allez, Maxou. Il est au mur là. Il n'a plus de choix. Oh, il y a le choc en paix qui passe au côté de Chibat. Il a pris encore une fois devant. C'est bloqué. Voilà, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il est là, c'est eux. Il est le combo, il est le pressing. Voilà, il est là. Ça touche au sol. Il a toujours pas de garde de la part de Chibat. Voilà. Exactement. Les gobes sont impériales dans ce tournoi. C'est le tournoi des gobes. Exactement. Bravo, Chad. Bravo. Applaudissez-le. Bienvenue à la seconde fois de Stanfest à Soukalibosa. Applaudissons aussi Maxou qui a fait une belle finale. Et le nom du champion du jour, vas-y. Qu'est-ce que tu as pensé de ta victoire? Très gros niveau, voilà, c'est le meilleur Voldo, quoi. C'est très 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 dur. Je me suis habitué, j'ai réussi à prendre le dessus. Papa qui met beaucoup de pression et il a eu du mal à se réadapter. Oui, c'est vrai. Et donc, Arnaud, Maxou, sur ta deuxième place, malgré que tu étais en winner, tu t'es remonté. Bon, d'habitude, j'arrive à Guakeshad et à gagner des trucs qui sont normalement ingagnables. Mais là, c'était pas possible, il a très bien joué. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait du guac au début. Et bon, j'ai perdu, c'est dommage. Bien joué à Chad. On peut les applaudir, les deux joueurs qui nous ont fait une superbe finale. Voilà. On va passer à la remise des lots, et je te prends le micro parce que comme tu es joueur, tu ne peux pas te remettre le lot à toi-même. Donc tu vas maintenant être compétiteur, voilà, tu n'es plus commentateur. Nous avons le troisième du tournoi. Oui, il est là en arrière, le troisième du tournoi. Denis Kalia, mets ta belle médaille, montre aux gens. Il n'est pas que commentateur, il est joueur aussi. Et il est troisième de ce tournoi, le troisième du Stunfest. Maxou, deuxième de ce tournoi, après un parcours magistral en meilleure raquette. Il a chuté en finale, mais le voilà, deuxième de ce tournoi, Maxou, le deuxième du Stunfest. Et finalement, le grand vainqueur, le champion, double champion du Stunfest, Gold Chad. Applaudissements pour le champion du Stunfest. Voilà. Un grand bravo à vous tous. On espère vous revoir l'année prochaine. Pour Soukalibosa 5 ou autre, hein, on ne sait pas. Merci à tous, merci à tous les joueurs, merci au public. Et on va maintenant enchaîner les finales du Stunfest avec un nouveau jeu. Et je ne sais pas quel est le jeu suivant. CVS de Capcom versus SNK2. Merci aux joueurs, non, bravo à eux. And like Gutex says, oh my brother, testify. Yeah.